Alors, le but de ce concours-là, en fait, c'est d'appliquer les notions de conservation de mouvement, la troisième loi de Newton et surtout, évidemment, la théorie qu'on a vue en classe sur les ressorts. Pour ce qui est de la conservation du mouvement, par contre, je suis allé un peu par essai-erreur, c'est-à-dire que pour arrêter exactement au bon endroit, j'ai plutôt décidé d'avoir un frein, de sorte que quand la machine débarque la table, elle s'arrête. En fait, ça marche comme un frein de patin. Ma machine, qu'est-ce qu'elle a de particulier, en fait? C'est que les ressorts font un 360 degrés complet. Donc, je vais crinquer avec cet écrou les ressorts. Ça va emmagasiner de l'énergie sur un 360 degrés. C'est ça qui va faire en sorte que, d'après moi, les ressorts vont contenir beaucoup plus d'énergie. Parce que la loi de Hooke, que ça s'appelle, nous dit que l'énergie est proportionnelle au carré de l'étirement du ressort. Donc, si je fais deux fois plus de tours du ressort, j'ai quatre fois plus de force pour le lancer. Et ma machine, en fait, ce qu'elle a de particulier, c'est une catapulte, mais c'est une catapulte que le bras va faire le tour complet avec le sac. Et le sac, ensuite, va revenir en haut, frapper la barre et être propulsé à l'angle idéal, soit 45 degrés pour maximiser la portée. Est-ce que ça va lancer loin? Je l'espère, parce que j'ai eu quelques problèmes avec des sacs qui revolent d'un air, par en arrière, par en avant, ainsi de suite. Pour ce qui est des roues, ma première idée, c'était d'utiliser les roues de patins de ma sœur. Ça marchait bien jusqu'à temps que ma sœur découvre que ses patins n'ont plus de roues. J'ai passé un mauvais quart d'heure. Donc, j'ai pris les roues d'une ancienne machine, d'une édition précédente de Science on tourne. En fait, c'est l'édition où il fallait faire des tours avec l'énergie éolienne. Donc, c'est ça. Alors, on va procéder à un autre petit tirage. Une gourde. Je vais piger dans le fond. Alors, Liam Dam Quang, Cégep Vanier. Alors, nous sommes prêts. Wow! C'est un exterminateur cascadeur. J'aimerais faire un décompte de ressorts. Est-ce qu'il y a des équipes ici qui n'ont utilisé qu'un seul ressort dans leur engin? Levez la main. 45 secondes. Personne. Une équipe. Une équipe à un ressort. Est-ce qu'il y a des équipes qui ont utilisé deux ressorts dans leur engin? Alors, deux ressorts semble être une formule plus populaire. Très bien. Trois ressorts. Alors, une seule équipe ayant utilisé trois ressorts. Et quelles sont les équipes ayant utilisé tous les ressorts permis? Alors, on est prêt? Je suis prêt. C'est parti.
C'est dommage. Marc-André, petit mot sur ce qui a mal tourné dans ton engin? D'après moi, il aurait fallu qu'il soit plus lourd pour éviter que la troisième loi de Newton s'applique également à la rotation de l'objet et non seulement au recul.